Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous aimez vraiment des fruits? Alors aujourd'hui, je vous propose un jeu vraiment très amusant. Rejouons. Alors, c'est le genre des fruits. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Par exemple, raisin. On dit raisin, un raisin. C'est masculin. On a gagné 2 points. Ananas, c'est masculin. Allez. Litchi, masculin. Très bien. Parfois, j'entends un fruit pour la première fois. Comme litchi. Orange, une orange. C'est féminin. Une pamplemousse. Un pamplemousse ou une pamplemousse? Un pamplemousse. Coco, un coco. Parce que pomme, une pomme. Féminin. Kiwi, un kiwi. C'est masculin. Anis, un anis. C'est masculin. Orange, non. C'est féminin. Une orange. Framboise, c'est féminin. Framboise. Nectarine, oui, c'est féminin. Ah, fraise, c'est toujours féminin. Noisette, c'est toujours féminin. Raisin, non, c'est masculin cette fois. Orange, encore féminin. Cerise, encore féminin. Figue, un figue, non, une figue, toujours féminin. Melon, un melon, c'est masculin. Pêche, une pêche. Bravo, bravo, on l'a gagné pour la première fois. On va rejouer encore. Tomate, pour connaître d'autres fruits. Tomate, c'est féminin. Orange, une orange, c'est féminin. Litchi, c'est la première fois que je vois litchi. C'est masculin. Orange, c'est féminin. Grenade, c'est féminin. On mange grenade surtout en automne. Un pamplemousse, c'est masculin. Figue, une figue. Avocat, un avocat, c'est très bien, c'est masculin. Figue, une figue. Un pamplemousse. Une noix, la noix. Un noix, des noix. Une noix, un noix. Non, une noisette, mais des noix. Non, c'est pas ça. C'est faux. Une noix. Aïe, aïe, un peu difficile. Cassis, c'est masculin. Cerise, 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 c'est féminin. Rhubarbe, c'est féminin. Rhubarbe, c'est la première fois que je vois ça. Poire, un poire. Une poire, une poire. C'est féminin. Une orange, c'est féminin. Orange aussi, féminin. Pomme, c'est féminin. Guyave, c'est féminin. C'est la première fois que je vois Guyave ou Mirabelle. Bravo! On va recommencer, mais cette fois, pas de faute. Surtout noix. Une noix. Pomme, féminin. Très bien, viens. Groseille, féminin. Banane, féminin. Framboise, féminin. Tomate, féminin. Toujours. Citron, masculin. Rhubarbe, féminin. Figue, féminin. Figue aussi, féminin. Érable, féminin. Goya féminin. Litchi masculin. Coco masculin. Noix. Oh là là. Un noix ou une noix? Féminin. Une noix. Enfin, on a gagné. Pamplemousse féminin. Masculin, pardon. Pamplemousse masculin. Poire féminin. Abricot, c'est masculin. Elle reste 2 points, les enfants. Elle reste 3 points, les enfants. On va gagner. Allez. Parce que là, il reste 2 points. Nectarine, nectarine, nectarine. Est-ce que vous avez une idée, les enfants? Nectarine. Il reste 2 points. Il reste des points pour gagner, nectarine. Masculin, féminin. Oui, masculin, non. Féminin. Oui, très bien. Il reste un seul point pour gagner. Poire. Est-ce qu'on dit un poire?
ou une poire. Je n'ai rien entendu. Levez la voix. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Un poire ou une poire? Un poire ou une poire? Il reste un seul pot pour gagner. Une poire? Vous dites une poire? Mais est-ce que c'est vrai? Non. Oh, les autres disent un poire. Mais j'ai jamais entendu un poire auparavant. C'est la première fois. Mais est-ce que j'écris ici? Attention, il reste un point. Féminin. Oui, bravo les enfants. La poire. Une poire. Bravo. C'est pas la peine de vous rejouer, mais bravo. C'était excellent, les enfants. Bon, à la prochaine.